Merci d'être à nos côtés. Vous êtes donc professeur à l'Université de Paris 3 en sciences de l'information et de la communication, en langue et en littérature anglaise et anglo-saxonne. Vous êtes une spécialiste des médias, donc je le disais, des contenus et des comportements à risque, ainsi que des questions de réception et d'usage des technologies de l'information et de la communication. Sujet que nous avons déjà un petit peu abordé au cours du séminaire, mais qu'on va pouvoir évidemment approfondir. Vous dirigez également un centre de recherche. C'est parti pour l'anglais. Le Center for Research of the English-Speaking World. I am doing well? Thank you. Et en même temps, un master professionnel intitulé Applications informatiques, gestion, études multimédia, information. Bon, vraiment, les questions qui vous intéressent, sur lesquelles vous êtes, je peux le dire, experte, c'est les questions donc, d'éducation et de médias, puis du lien entre l'éducation et les médias. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous souhaitez dire un mot de présentation vous-même avant qu'on passe à votre présentation? Je voulais vous remercier déjà de... Ça marche, hein? De m'avoir invité. Hein. J'aime beaucoup venir dans votre communauté. Je m'en sens très proche. J'admire beaucoup ce que vous avez fait depuis 50 ans dans le domaine de la pédagogie, du projet qui est, moi, ce qui m'intéresse le plus. En plus, je suis fille d'agriculteur. Donc, j'ai toujours un intérêt particulier à voir comment ce champ, dans tous les sens du terme, évolue. Et je trouve qu'il évolue bien. Je trouve qu'il est très à l'écoute. Et peut-être qu'il évolue plus vite que l'éducation nationale dans son ensemble parce qu'il est moins au centre, qu'on y pense un peu plus aux marges. Et souvent, l'innovation se fait aux marges sans autorisation. Voilà, donc je vais vous parler d'innovation sans autorisation aujourd'hui, entre autres. Oui, être à la marge et au cœur du système, ça, je crois que ça parle ici à un bon nombre du public, une bonne partie du public. Alors vous allez nous parler donc d'éducation aux médias à l'information et la littératie sans dessus-dessous à l'ère du développement numérique. C'est un très joli titre. Est-ce que vous voudriez bien vous donner la peine, peut-être pour certains d'entre nous et peut-être un tout petit peu pour moi aussi, de rappeler ce que c'est que la littératie? Alors, pour tout vous dire, hein, nous avons mis ça au point avec Pierre Loïc tout à l'heure. Donc ça va être un peu improvisé, mais c'était pour justement capitaliser sur vos trois demi-journées et voir ce que je pouvais rajouter, hein, vous aider, pousser plus loin peut-être votre réflexion, hein, les choses comme elles sont. Et c'était un peu mon idée au départ, c'était d'écouter ce que vous faisiez et puis de revenir après. On inverse un peu parce qu'on s'est dit qu'il fallait peut-être injecter des éléments sur lesquels vous allez ensuite faire votre miel. La littératie, c'est un terme qui ne nous vient pas de France, mais qui nous vient du Canada. Petit clin d'œil à mon collègue, et qui est une traduction que les Canadiens ont fait du mot literacy en English. All right. Voilà. Et c'est quoi la littératie par rapport à l'alphabétisation, hein, qui est le mot français? C'est cette idée qu'il y a plusieurs modes de faire quand on s'alphabétise. Il n'y a pas juste une seule façon d'apprendre à écrire, il n'y a pas une seule façon d'apprendre à lire. Hein. Et c'est pour rendre compte de ces pratiques, hein, du faire, hein, que le mot littératie est un mot très pragmatique, hein, qu'en anglais on oppose à education, hein, qui est perçu comme quelque chose d'abstrait et qui tombe, hein, d'en haut, hein, vers le bas. La littératie, c'est ce qui vient du bas vers le haut. Hein. Et donc, ce que j'essaye de faire en bonne française, c'est la synthèse. La synthèse entre, d'une part, une éducation aux médias et à l'information, et la littératie. Et j'ai eu la chance d'obtenir un projet, la direction d'un projet de l'Agence nationale de la recherche qui s'appelle Translittératie, dont je vais d'ailleurs vous donner quelques résultats, c'est pour ça que vous voyez le logo là, où on s'est posé la question avec toutes sortes de collègues, on est une trentaine, quarantaine, de la convergence autour du numérique entre l'éducation aux médias classiques, la presse, etc., l'éducation à l'information sous la forme du document, hein, et de tout ce qui est dans l'ère numérique en ce moment, sur le document, hein, quand on parle de l'ère numérique, on va prendre des gros mots, c'est pour pas que vous endormiez, hein, on parle en ce moment de la redocumentarisation du monde, même du monde agricole. Il y a eu une première grande phase de documentarisation, c'est quand on a fait le livre, hein, l'imprimerie, hein, qui a permis, voilà, vous pourrez rappeler l'encyclopédie,
d'Alembert et Diderot, mes héros à moi, hein, voilà, ils ont justement en partie récupéré tous les savoir-faire, hein, toutes les littératies agricoles, techniques, etc. Hein. Cette phase dans laquelle on est, c'est la même chose, sauf qu'il y a une différence majeure, c'est la différence qu'apporte le numérique. Je la différence qu'apporte... Oui, tu me relances, merci. On avait prévu ça. On s'était entraîné quand même oui, depuis une petite demi-heure. Oui, on a travaillé, en effet. On a travaillé, ce truc. Donc, le numérique, parce qu'il propose d'autres manières d'échanger, justement, de faire circuler l'information. Oui. Et surtout, le numérique, il donne une puissance incroyable, hein, dont vous bénéficiez tous, hein, c'est qu'il transforme tout document en 0 et 1. Et donc, tout document est sécable, taillable, corvéable, portable, mixable à merci. Et, voilà. Et partageable. Et du coup, partageable, mobile, ubiquitaire, enfin la totale. Quoi. Donc on est dans une logique, vous voyez, où la première phase de documentarisation avait déjà donné beaucoup de puissance, hein, à créer même toute l'ère industrielle, bon, toute l'éducation telle qu'on la connaît. Hein. Et là, on est dans une deuxième augmentation, hein, on parle d'augmentation numérique, c'est-à-dire la capacité tout d'un coup, et puis alors pour tout un chacun, hein, c'est plus simplement les élites, les documentaristes dans les bibliothèques ou des lieux un peu secrets, hein, le monde de la rose, c'est pour tout le monde, hein, pouvoir faire ça. Et donc on a regardé cette convergence entre l'éducation aux médias, qui eux aussi, hein, peuvent être pixelisés, donc là aussi montés, donc truqués, donc complotisés, enfin vous voyez par où on peut aller, hein. Et puis le document qui lui permet justement, hein, toute cette logique, hein, de l'échantillonnage, du remix, etc. Et évidemment... Il y a une différence du coup, il y a une bascule fondamentale, c'est qu'auparavant quand je voulais offrir un livre ou un disque, je m'en défaisais. Aujourd'hui, je peux offrir un livre ou un disque tout en restant propriétaire. Donc, une espèce de, comme ça, de disparition du don ou de disparition de la disparition de l'objet. Oui, alors ça, tout à l'heure, je vais vous le présenter. Hein, on est sur de nouveaux biens culturels. Enfin, je vais demander de me suivre là-dessus parce que j'improvise un peu. Enfin, j'essaie d'y réfléchir un petit peu. On est sur des biens culturels qui ne s'usent pas quand on s'en sert. C'est tout le contraire des piles. Hein, c'est, on s'en sert beaucoup, on s'en sert souvent, ça ne s'use pas. Donc c'est assez aussi extraordinaire en termes de démocratisation, hein, en termes de partage, etc. Et en termes de dons, parce que mine de rien, il y a du don aussi derrière. Hein, on a inventé tout un système qu'on appelle de copyright par le Creative Commons, hein, c'est-à-dire où on autorise, hein, sans avoir à chaque fois à faire des demandes lourdes et coûteuses, hein, la réutilisation de ces documents. Voilà. Et vient se rajouter une dernière étape dans la convergence qui est le code. C'est-à-dire se poser la question, ce document que pour le moment on nous fournit, hein, il est disponible sous forme de fichiers, etc., en ligne, est-ce qu'on ne peut pas avoir encore plus d'action dessus, hein, le mot pouvoir d'agir, hein, pareil, qui vient du Canada, non, les Canadiens, pardon, le mot empouvoirment, empowerment, l'empouvoirment total qui serait qu'on puisse être tous capables de créer nos propres documents. Nos propres applications, etc. Alors on va vous écouter faire votre présentation et puis ensuite on verra comment est-ce que tout ça finalement nous concerne aussi, oui. Et en particulier ben, jusqu'aux relations qu'on entretient avec pardonnez-moi, l'éducation aux médias et à l'information dans nos établissements avec nos apprenants. Très bien, mais écoutez, je vais vous amener à un train d'enfer histoire que vous n'endormiez pas et puis pour que ça fasse la discussion après. Voilà, ça c'est parce qu'il ne faut pas qu'on oublie de qui on cause. Donc même s'il n'est pas là, le jeune aujourd'hui dans la salle, je voudrais quand même qu'on garde son témoin et son fantôme autour de nous. Hein. Ça c'est le jeune, avant les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il a encore deux écrans, l'écran télé, l'écran d'ordinateur, il a son téléphone mobile, son ordi, ses revues, ses cassettes, ses clés, etc., etc., etc. Si vous avez des enfants, vous avez repéré le bordel de la chambre numérique. C'est l'an 2000. Voilà, ça c'était 2000-2007. Maintenant, on a ça. C'est-à-dire qu'il est de plus en plus jeune, notre ado, c'est carrément une petite fillette, et elle a tout, hein, sur son écran, si vous regardez bien. Il faut avoir de bons yeux, donc tant pis pour ceux qui sont là-bas au bout, c'est pas, on vous avait quand même averti. Hein. Donc il y a de la télé, hein. Elle a son écran télé là, hein.
ce qu'elle suit, c'est une recette de cuisine, et puis à côté, elle a d'autres émissions YouTube qu'elle pourrait regarder, mais par contre, elle peut commenter en bas. Et ça, c'est la clé. C'est la clé qu'amènent les réseaux sociaux, c'est que par rapport à l'écran télévision, hein, ce que les Américains appellent le tube, et donc le YouTube, hein, puisque c'est participatif, elle peut réagir dessus, elle peut commenter, elle peut annoter. Et c'est ça que permet la toile, cette dimension participative sur laquelle je vais revenir souvent pendant ma discussion. Donc on est dans la situation de l'écran navette 2.0, parce qu'il y a une navette. C'est-à-dire que même si vous ne le voyez pas, même si vous avez un seul écran, il y a deux écrans superposés. Et les modèles économiques n'ont pas choisi. Pour le moment, vous pouvez recevoir Internet sur votre télé, hein, et vous savez que dans deux mois, c'est fini, les télés analogiques, on ne sera que dans le numérique, ou vous pouvez recevoir la télé sur votre ordi. Les deux modèles économiques sont à l'équilibre et se font concurrence d'ailleurs assez férocement. Pour le moment, les solutions de l'ordinateur avec la télé dedans ne marchent pas. Énorme échec de la télé d'Apple, par exemple, hein, comme ça. Hein, donc voilà. Parce que, ben, on pourra en discuter. Je vous donne des suggestions de questions. Mais voilà, donc il y a ce qui est important, hein, c'est qu'il y a un écran de surface, je l'appelle de surface parce que c'est celui qui est de l'offre, qui est tout le temps dans l'offre, hein, dans le flux comme dans le stock, hein, la télé, qui en numérique s'appelle The Tube, YouTube, et qui lui est l'écran du récit. C'est l'écran qui raconte des histoires. Alors ça peut être des histoires d'actualité, des histoires historiques, des histoires de fiction, de fantasy. Hein. Vous savez que nos jeunes sont plutôt sur la fantasy, donc sur des types de récits engageants. Hein. Engageants, c'est-à-dire des récits dans lesquels ils veulent s'impliquer. Nos jeunes, quand ils ne sont pas impliqués, aujourd'hui, ils coupent tout. Ils ne font pas semblant. Vous avez dû le remarquer dans vos classes, quand ils s'ennuient, c'est clair et manifeste. Et ils partent avec les pieds, pas qu'avec la tête. Beaucoup d'enseignants disent « ils zappent ». Voilà. Et quand ils sont là, méfiez-vous. Ils ne sont peut-être pas à 100% là. Voilà. Donc, ils ont besoin d'engagement, ce qui est un défi pour l'école. Qui elle est dans le programme, ce qui est un défi pour les gamins. Là, il y a un premier début de clash. Les récits engageants, par exemple, ce sont souvent des récits dans lesquels ils se retrouvent ou qui leur parlent, qui parlent à leur génération. S'ils sont sur la fantaisie, par exemple, c'est parce que la fantaisie est politique et que l'école ne l'est plus. C'est d'énormes idéologies, d'énormes confrontations. Des remises en jeu fondamentales de ce que c'est que la démocratie, le lien social, etc. etc. C'est pas du tout parce qu'ils veulent s'évader. En fiction, on ne s'évade jamais. Il n'y a pas de vacances de l'esprit. Voilà, donc ces récits sont très forts. Donc le Seigneur des Anneaux, c'est politique. Complètement. Alors lui, c'est l'exemple type. Ouais. C'est tellement politique que c'en est presque oppressant. Mais ça a été écrit, évidemment, avec le contexte... Et Star Wars, de la... et voilà. toutes les grandes sagas. Hein, c'est comment on vit ensemble, qu'est-ce que c'est que la corruption, c'est quoi les enjeux de pouvoir, on est du bon côté de la force ou pas, enfin bon, bref. En tout cas, et ça, ça prouve bien hein, qu'ils ont un appétit de comprendre le monde, et donc leur désintérêt... affiché, affirmé du politique au sens politicien actuel n'est pas une désaffection du politique avec un grand P. C'est une demande énorme, en fait, de rassurance, de se rassurer sur le fait qu'au bout, malgré toutes les épreuves, l'ensemble de héros gagne. Dans toutes ces sagas de fantasy, ça c'est l'autre différence avec les récits classiques pré-numériques, hein, c'est des récits à héros coraux. Ils sont ensemble. Ils sont beaucoup. Si je prends la série Lost, ils sont 49. Bon, enfin bref. Donc ça fait, voilà, ça fait des séries à séries, des récits à séries, hein, donc tout le goût de la sérialité, etc. Il y a des séries quand même, pensez à Lost, pensez à Urgence. Urgence, 18 ans. Toutes les années formatives de beaucoup de nos jeunes sont accompagnées sur l'ensemble de leur cycle. Allez voir les valeurs de ces séries.
Voilà. Bon, enfin bref, si je commence à parler comme ça, on y est tout l'après-midi, hein, donc je vais repartir. Les univers culturels nous passionnent de toute façon. Donc, ben, je pense bien. Mais en effet, il faut qu'on... Voilà, mais c'est les leurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi aller vers les leurs. Ce n'est pas pour se défaire des nôtres, hein, et de nos valeurs, mais pour savoir où ils sont, et donc pouvoir, nous aussi, à notre manière, transformer en récit certains de nos cours, faire venir leur culture aussi en appui du cours, etc. Hein. C'est aussi comme ça. Donc lundi prochain, en costume de Dark Vador, hein, dans la classe. Voilà. Alors vous verrez que c'est très engageant. J'ai une diapo là-dessus, il l'a déjà vu, c'est pour ça qu'il est en train de me casser mon récit, lui. J'avais fait du suspense, j'étais en train de créer la récurrence. Vous allez rebondir. Oui, on va rebondir. Alors l'écran de profondeur, vous pouvez inverser d'ailleurs, mais enfin, il est quand même plus vécu comme réticulaire, etc., la toile, hein, celui d'Internet. C'est donc l'écran du commentaire, comme je vous disais. Et ce qui nous arrive, et ça, vous pouvez me suivre ou pas, c'est que, de même que la documentarisation du monde a créé le 18e, 19e, 20e siècle, avec ses industries culturelles, ses biens culturels, ce 21e siècle est en train de faire la même chose avec la redocumentarisation du monde. Et donc, moi, j'essaye de vous aider, de nous aider tous à réfléchir ce que c'est, plutôt que d'y résister en disant « ça va passer, il suffit de mettre la tête sous le sable, comme une autruche ». Les deux points forts, et je pense qu'on peut le partager, et par rapport à l'agriculture, pour moi, il y a des trucs tellement transposables. Au niveau de l'économie, les économistes parlent de biens de l'expérience, biens expérientiels. C'est-à-dire des biens, à nouveau, qui ne s'usent pas quand on s'en sert, mais qui ne sont pas achetés. En tout cas, l'acte d'achat n'est pas prioritaire. C'est l'acte d'usage qui est prioritaire. Et ce n'est pas associé à une offre. On ne vous gaffe pas, c'est une demande. Ah tiens, je cherche. Ah tiens, j'ai besoin d'une appli qui. Vous entendez penser ça? C'est vous qui demandez. Alors, et c'est sûr, il y en a là-bas dehors, mais s'il n'y en a pas, vous envoyez une demande et vous l'aurez. Donc, une économie tout à fait différente, qui vient de la base, et qui écoute la base, hein, c'est-à-dire que ça va recréer de l'offre, hein, mais il y a un effet de réseau, comme on l'appelle, hein, où les demandes de la base, l'usage fait par la base, tout ce qu'on sait derrière en back-office, des réactions sur des logiciels, etc., est utilisé pour améliorer le produit. Et puis à côté, se développent d'autres biens, hein, ce que j'appelle les biens relationnels, avec d'autres d'ailleurs, hein, parce qu'ils ne sont pas nouveaux, hein. Des biens du type partage, du type reconnaissance, appartenance, hein. Le premier bien relationnel, c'est la place du marché. Ça appartient à personne, tout le monde s'y retrouve, avec un peu de bol, il y a l'église à côté, enfin bon, voyez, et c'est là qu'on se dit les informations, et du coup, qu'on fait vraiment de la relation au sens dur, hein. Tu m'achètes tant, le cours du produit c'est quoi, etc. etc. C'est des biens gratuits, on ne paye pas cette info. Par contre, on sait que c'est crucial, et de plus en plus crucial, d'être bien outillé pour ça. Voilà. Donc, d'où toute la mythologie, hein, du partage, hein, de l'appartenance à des communautés, etc. etc. qui y a en ligne et qui habite nos jeunes. Hein, et donc, en ce moment, c'est ces deux types de biens qui sont qui arrivent, et ils sont en concurrence frontale avec les biens classiques et non numériques. À l'équilibre pour le moment, dans très peu de temps, sans doute en position dominante. Voilà. Et donc ça fait une culture en réseau, avec des choix adaptatifs non rationnels et de la participation. Les choix adaptatifs non rationnels, c'est le contraire des choix rationnels. C'est-à-dire l'idée qu'on vous offre un truc, et parce que c'est bien, vous allez le prendre, vous allez raisonner. Pas du tout. Les choix actuels sont des choix non rationnels. C'est associé à de l'émotion, c'est associé à du partage, à de l'engagement. En fait, on le prend parce qu'on vous le donne. Est-ce que c'est un peu ça? Plus que parce qu'on le désire ou qu'on en a envie, ou c'est parce qu'il est là? Non, il y a justement, c'est le désir qui pilote. Hein, c'est tout le contraire du gavage ou de l'offre à l'étalage.
C'est pas du tout le don, hein. Même s'il y a un goût du don, vous verrez que le remix permet, enfin que le fait de pouvoir envoyer des documents, etc., c'est une forme de don, mais c'est plutôt au contraire le rejet ou la méfiance à l'égard de l'offre. Donc par exemple, tout le succès de tous ces comparateurs, hein, ces applis comparatrices de prix, etc., ont une méfiance énorme par rapport à une offre unique, hein, ou une offre qui se met en valeur elle-même. Il y a vraiment une réappropriation, hein. Un peu critique d'ailleurs, hein, mais vous voyez que du coup, il y a des applications qui répondent à cette demande. Même si elles mettent en danger un certain nombre d'offres, hein, parce que dans un comparateur de prix, les 5 ou 6 grandes entreprises classiques sont perdantes sur les prix, eh bien voilà, hein, elles vont en payer pour le coup le prix. Voilà, donc c'est compliqué parce que C'est un état d'esprit, hein, qu'il faut comprendre, que nos jeunes ont, évidemment de manière, on va dire, sauvage, hein, voilà, ils ont été éduqués par le fait qu'ils soient nés avec, pas dedans. Le mythe du natif est complètement, à mon avis, à déboulonner, hein, mais ils sont nés avec. Hein, et donc, ça induit, bien sûr, des pratiques, hein, ce qui vous permet de voir, par exemple, en ce moment, hein, de plus en plus... la poussée, hein, des grands pure players du numérique pour descendre l'âge, hein, dans lequel ils peuvent accéder à ces jeunes. Hein. Jusqu'à présent, on est protégé par la loi américaine qui interdit, hein, les réseaux sociaux avant 13 ans, même si ça triche, mais enfin bon, légalement. Hein. Il y a tout un mouvement de Facebook et autres pour descendre ça à 8 ans, parce que comme ça, évidemment, hein, plus on est cultivé là-dedans, hein, vous qui êtes cultivateur ou qui êtes cultivateur, plus on est là-dedans, et bien évidemment, moins on va vouloir en sortir. Hein. Et heureusement, il y a des associations américaines, familiales, psychiatres, pédos, etc., etc., qui sont en train de résister et disent non, il faut aller jusqu'à 16 ans. Voilà. Donc, on est dans un bras de fer, hein, en ce moment, sur le cerveau de ces jeunes et le temps de latence qu'on va lui permettre pour qu'il ait accès à d'autres formes d'être que simplement la forme numérique, hein, pour avoir un équilibre, hein, de tout cela. Et vous savez bien à quel point la relation à la nature est aussi très importante pour les jeunes. Hein. Donc il faut savoir tout ça, parce que des fois, il faut s'y engager aussi. Hein, dans ces... Divina, il faut que je vous presse un peu. Oui. Il est moins clair. Oui, donc. Alors voilà. Donc quand on regarde un écran, et quand les jeunes regardent un écran, en fait, ils ont 4 options. Ils n'en ont pas une. Hein. C'est ça l'augmentation aussi. L'écran peut être un bureau, alors quand je dis des jeunes, vous aussi, hein, d'ailleurs, c'est un bureau, tout bête aussi, hein, voilà. Ça peut être un studio, c'est-à-dire un endroit où on crée, hein, on fait de la vidéo, on fait de la radio, on fait des choses comme ça, la photo. Ça peut être du parcours, on se balade de site en site, etc., mais on reste encore dans le numérique, ou ça peut être l'accès au monde, hein, c'est-à-dire une action directe, justement, acheter un voyage pour aller à tel endroit, acheter un plant, des semis de tomates ou de poids de senteur, que sais-je. Hein, donc avec une action directe, et ça, c'est la différence aussi depuis 2007. Hein. Avant, quand on était dans le numérique, on restait dans le numérique. Maintenant, le numérique a un impact sur le monde. Voilà, donc il faut modéliser tout ça, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Hein. Et il faut arriver, hein, à se donner en termes à peu près simples ce que ça veut dire d'être dans cette nouvelle éducation aux médias à l'information. Hein. Tout ce que je viens de vous faire, c'est l'éducation aux médias à l'information. Et pour le moment, ça ne fait pas partie des compétences, même si depuis 2013, on a beaucoup changé, hein, et on a extrêmement ouvert, hein, si vous êtes familiarisé avec le socle de compétences, de connaissances et de culture, que vous devez tous connaître par cœur, hein. On est bien là-dessus, hein, la citoyenneté, l'éducation aux médias, la documentation, savoir chercher, etc. etc., hein. Donc, il faut assumer pleinement cette convergence, hein, et se dire que c'est une richesse, hein, mais que, en fait, c'est peut-être ça la nouveauté que nous on propose à Translit, hein, c'est peut-être pas nécessaire que tout le monde ait la compétence de tout. C'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas tous très bons en code. Ça ne vous intéresse peut-être pas. Par contre, vous pouvez être très bon, par exemple, en lecture, ou vous pouvez être très bon en organisation et en recherche. Hein. Donc nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut, dans une pédagogie justement du projet, de la participation, une des compétences, ça va être de repérer où sont les autres compétences. Après, on les met ensemble et on arrive à aboutir à quelque chose. Vous voyez, ce n'est pas révolutionnaire. Hein. Mais il faut oser dire que les compétences ne sont plus simplement individuelles, hein, mais elles peuvent être distribuées dans un groupe, dans une classe, dans un établissement, dehors. Hein. Et assumer ça... Et
formé à ça. Vous ne l'avez pas, mais vous avez plusieurs options. Soit vous allez vous former vous-même, soit vous allez chercher la personne qui est compétente. Hein. Et c'est peut-être ce vers là que nous devrons avancer. Et puis, évidemment, il y a toutes les stratégies que qu'offre le numérique lui-même. Mais ne pensez pas à ces stratégies comme à des applications qui ont chacune un aspect très particulier. Ce qu'il faut voir derrière, c'est ce que ça nous donne cognitivement, hein, en quoi ça nous augmente en tant qu'individu. Par exemple, le jeu, ce n'est pas du jeu. Hein, c'est un mot difficile à faire entrer dans l'école française. Le jeu vidéo, vous voulez dire, par exemple, le celui-là. Jeu vidéo n'est pas un jeu. C'est pas ludique, souvent. Hein, c'est, d'ailleurs, les Anglais ont deux mots. Hein, quand ils ont le mot vraiment ludique, ils ont play. Play, vous ne le voyez pas, hein, dans les jeux vidéo, c'est du game. Alors, le game, c'est absolument, surtout pas du play. Le game, c'est de la résolution de problèmes. Point, barre. La simulation, hein, les données visuelles, tout ça, bon, qui sont assez extraordinaires, notamment pour nous, météo et compagnie, c'est de la modélisation. Hein. Et on fait bouger les choses pour voir, ben, je change une variable, qu'est-ce que ça donne, etc. Donc on est dans des processus cognitifs très avancés, ce qu'on appelle le deep learning, hein, l'apprentissage profond. Et c'est ce répertoire de stratégies qui se présente en ce moment, hein, sous une forme numérique. On peut échantillonner, on peut naviguer. On peut faire du réseau, on peut coordonner pair à pair. La machine le fait pour vous, mais la machine le fait avec, derrière, de l'intelligence artificielle. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne bien si on veut s'en servir. Sinon, il vaut mieux rester dehors. Mais en tout cas, quand nos gamins sont en train de faire du jeu, dites-vous bien, avant de leur dire d'arrêter, que c'est peut-être pas que du jeu. Voilà. Donc la translittératie en ce moment, voilà à quoi ça ressemble. Ils ont tous déjà décroché, je suis sûre. Enfin, bref. On en fait des comme ça en ESC en cours. Ah bon, d'accord. Donc, il y a un côté hors l'école, un côté dans l'école. Hein, je pense que c'est très important et très important pour vous aussi. Et puis, quand on les amène ensemble, cette convergence des cultures, hein, de l'information, on se rend compte que les médias ont traditionnellement et continuent, c'est les seuls, continuent à apporter la dimension culturelle et la dimension citoyenne, voire critique. Le code ne fait pas ça. Le code vous vend la créativité et la participation. C'est pas mal. Mais c'est pas la même chose. Et la doc vous donne la recherche, l'évaluation, le filtre, l'indexation, etc. Redites-nous la différence entre infomédia, je l'ai bien. Bon, infodata, infodoc. Alors, infodoc, c'est toujours le document, la façon dont on peut jouer sur ces différents documents qui sont mixables, hein, qui peuvent se couper, qu'on peut copier-coller. Hein. La data, c'est la possibilité donc de les coder, de les modifier encore plus en profondeur, si vous voulez, hein, et d'interpréter toutes sortes de traces qui sont en ce moment en ligne. Vous savez qu'on dit que la data, c'est le nouveau pétrole, hein, du numérique, hein, parce que c'est autour de ça que s'organise, y compris, l'éducation. On n'y est pas encore, je ne vais pas vous faire peur, donc bon, passons. Mais il faut se penser ce nouvel univers pour pouvoir s'y projeter sans danger, hein, et sans angoisse. Il faut se le penser un peu comme ça. Hein. Et on retrouve du côté de l'école la pédagogie du projet, et puis les connaissances, hein, on va continuer à les construire, bien sûr. Hein. Mais vers l'extérieur, ça donne de l'engagement, ça donne des valeurs, ça donne des droits, hein, ça donne des personnes qui essaient de changer le monde. Et donc, dans la même logique, je propose un nouveau domaine éducatif. Il y en avait déjà quatre. Hein. C'était, si vous vous souvenez du rapport de l'or, qui s'appelle « L'éducation, un trésor est caché dedans ». Il faut s'en rappeler que l'éducation est un trésor. Il avait proposé, hein, « Apprendre à connaître, apprendre à faire, apprendre à vivre ensemble et apprendre à être ». Savoir-faire, savoir-être, vous reconnaissez tout ça, hein, dans les piliers de base. Hein. Moi, je propose « Savoir devenir ». Pour nous aider à penser différemment. Parce qu'on a besoin de penser différemment ce qui arrive si on veut vraiment s'en emparer. Et le savoir devenir, c'est l'idée qu'on puisse se projeter. Parce que chaque fois que je parle aux gens du projet, et à vous, je sais que je presse des convaincus, hein, mais c'est très difficile à comprendre la pédagogie du projet si on ne l'a pas fait. Une fois qu'on est tombé dedans, hein, bon, c'est comme Obélix et sa marmite, hein, on n'en sort plus. Hein, mais ceux qui ne la maîtrisent pas, ça crée de l'angoisse. Hein, et donc je me disais que, par contre, se projeter, c'est un verbe très français. Hein, donc aider les jeunes à se projeter, c'est peut-être plus facile de dire que je fais une pédagogie du projet. Je ne sais pas si... Bon, enfin, c'est l'idée d'advenir. Hein, et donc de s'approprier, justement, tous ces biens culturels, avec cette pédagogie.
que j'ai fini par appeler par une pédagogie de la participation. Parce que je me rends compte qu'en France, c'est peut-être le frein actuel au changement. Ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de moyens, merci, c'est l'inspection qui parle, bon. Ce n'est pas une question de... Voilà, même... Mais c'est une question d'état d'esprit, et c'est normal, hein, puisque nous n'avons pas été formés à la participation quand on était jeunes. On était formés à l'autorité, hein, et à l'obéissance, hein, et à la restitution. Hein. C'est ça, le modèle français, ou le modèle prénumérique. C'est pas une critique, hein, il a été très performant. Mais il était performant parce que c'était un modèle de la reproduction et de la restitution. Avec le numérique, on est sur un autre impératif économique. Et c'est un impératif économique, hein, ne faisons pas d'illusions, hein, c'est l'impératif de la créativité. Alors, nous, on se dit à la créativité, c'est génial, c'est artistique. Dans le monde du numérique, la créativité, c'est le nouvel impératif. L'ouvrier du numérique doit être créatif, c'est un impératif. Mais en fait, la vérité de ce que c'est que la créativité, pour le numérique en tout cas, c'est la capacité à participer. Quand je vous disais, à voir où sont les potentialités distribuées, comment on se met ensemble pour résoudre un problème, etc. etc. C'est ça, le numérique, hein, la participation, le réseau, etc. Et donc, nous, en France, je ne dirais pas la même chose si j'étais aux États-Unis, je leur dirais peut-être plutôt l'inverse, parce que là-bas, ils ne font que participer, alors au bout d'un moment, on n'arrive pas à se concentrer sur des acquis plus posés. Hein. Mais nous, on a besoin d'apprendre à participer. Et c'est une pédagogie. Il faut l'apprendre, nous, les enseignants, pour former les jeunes. Hein, et il faut que les jeunes soient encouragés quand ils participent. Hein. Et alors, bon, c'est tous les trucs que vous connaissez, hein, c'est-à-dire en général très, très positivants, qui nous énervent quand on voit des exemples américains, hein, puisque l'enfant est toujours génial, hein, ce qui n'est jamais la position française. L'enfant n'est jamais chez nous en France un petit génie en puissance. La pédagogie de la participation doit poser ça en principe. On ne sait pas ce qui va sortir de l'enfant, donc il faut laisser sortir. Souvent. En encourageant, sans punir, y compris sans noter, etc. Et c'est au bout de cela, hein, que se crée une relation de confiance et où tout d'un coup, ils construisent de plus en plus leur discours de participation. Mais vous pouvez pas avoir une injonction, et certains l'ont, hein, moi je le vois bien à la NR Transit quand on observe, hein, d'enseignants qui veulent libérer les gamins et qui disent « allez-y, participez ». Eh bien, ça fait un silence d'enfer dans la classe, l'enseignant est mal, les étudiants sont tous mal, et donc ça fait échec, hein, et on nourrit l'échec. Comme on leur demande impérativement d'être libre, ou de prendre des initiatives, ils en reçoivent l'ordre. Voilà. Ça, quand on est pendant 18 ans, hein, ou 15 ans, ou 16 ans, pas dans l'initiative, vous voyez que demander ce retournement, on peut l'obtenir, on l'obtient en M2 en fac. Ça prend du temps à déconstruire. Ou à construire plusieurs options. Hein. Le problème de la pédagogie telle qu'on l'a fait, c'est que elle est tellement dominante, hein, qu'il n'y a pas les trois ou quatre autres modes d'être, ou de faire, ou de devenir, hein, que l'on peut espérer proposer maintenant avec le numérique. Il ne s'agit pas d'évacuer tout notre savoir-faire français, il s'agit de l'ôter de sa place hégémonique. Faire un peu de place pour d'autres approches en même temps. Quoi. Alors, je vous prêche, j'étais convaincue, je sais que vous faites la pédagogie du projet qui fait ça. Hein. Alors, je finis très vite. Oui, parce qu'il faut la pédagogie du projet. Avec vous aussi. De toute façon, je vous laisserai, sûr que ça brûle dans la salle. Je vous laisserai le PowerPoint, puis ça vous permettra de réfléchir. Et donc, le savoir devenir, quatre trucs, juste pour les mettre dans la tête. C'est la mise à jour de soi. Et nos jeunes passent leur temps à se mettre à jour, tout le temps. Minimum 5 à 6 fois par jour. C'est la réorientation des choix, c'est l'avenir. Hein. Est-ce que vous pensez qu'on peut rester 40 à 50 ans dans le même métier de nos jours? Combien de collègues avez-vous qui disent « je veux faire autre chose » Mais ce n'est pas parce qu'ils sont nuls. C'est parce qu'il y a tellement d'autres offres. Ils peuvent tellement plus s'exprimer, par exemple, en ligne. Quand on voit tous les Pearl Trees ou les Pinterest, hein, toutes ces applications parmi les plus utilisées, où les gens montrent en fait qu'ils ont des hobbies, mais c'est des pros du hobby. C'est des gens qui savent faire de la vidéo, mais très bien, ça pourrait être un métier. C'est des gens qui savent faire d'aménagement de jardin. Ça, bon. Et donc tout cela, hein, dans le numérique, ça se met à jour, ça s'actualise, ça se voit, et ça se montre aux autres, ça se partage.
la modélisation ludique, donc c'est tout le côté jeu vidéo, je n'ai pas voulu vous dire jeu vidéo, sinon vous étiez tous partis, et l'engagement. Et le truc, c'est que les trois premiers mènent au quatrième. C'est-à-dire que les trois premiers construisent la confiance en soi et l'estime de soi. Et nos élèves ne l'ont pas. Les trois premiers construisent l'estime de soi. Quand on a l'estime de soi, on va se battre à l'extérieur. On ne peut pas se battre à l'extérieur tant qu'on ne se sent pas solide et qu'on n'a pas l'impression qu'on peut faire une contribution. Et c'est pour ça que la pédagogie de la participation, elle est contributive au bout. Mais l'un, on a besoin de l'autre. Oui. Voilà. Juste, donc la modélisation ludique, en quoi est-ce qu'elle est un besoin? J'aurais plutôt l'impression que c'est une conséquence, enfin, ou un développement. C'est effectivement. Alors tout ça, vous avez raison. J'arrive pas à revenir en arrière. Je suis absolument incapable d'utiliser cette souris. C'est des propositions encore à ce stade-là. Mais c'est parce qu'ils apprennent et se forment tellement par le jeu que pour moi, je me rends compte que c'est une façon d'essayer plein de choses sans risque. C'est ça le jeu au sens de game. Il y a plusieurs règles, on peut changer les règles. Que se passe-t-il dans un univers qui change les règles? La fantaisie ne fait pas autre chose. Un univers de fantaisie, c'est un univers où il y a les mêmes règles que dans la vie actuelle, sauf une. Par exemple, je sais pas, pensez à Divergente, les règles, c'est que chaque section a un métier. Et il y a 13 sections, dont une section toute seule qui est le pouvoir. Voilà. C'est penser à Avatar. C'est comme sur Terre, sauf que. Donc ça, c'est de la modélisation ludique. Qu'est-ce qui se passe si on a un environnement empoisonné? Est-ce qu'il y a une planète B? Vous entendez les questions derrière? Bon, et comme vous l'a dit Hollande, il faut le croire, il n'y en a pas. Il n'y a pas de planète B. Donc, bon, bref, tout ça pour... Donc voilà, ça, c'est des exemples pour vous montrer que quand on le fait... Ça peut être extrêmement riche et esthétique, quand on leur demande de se mettre en jeu, de se représenter. Voilà, c'est des étudiants à moi. Bon. Et l'important dans ce tableau-là, c'est qu'ils me montrent, quand ils viennent à mon master, qu'en fait, mon master, vous voyez là, ce qu'il apporte, où est-ce qu'il est mon master? Il est là-haut. C'est de leur univers, ils amènent tout ça. Et ça, nous, souvent, c'est ce qu'on laisse à la porte de l'école. On ne veut pas que les gamins nous amènent ce qu'ils ont dehors, puisqu'on est censé, nous, les remplir. Et ça, tant qu'on est dans le déni de ça, on est mal barré. Réorientation des choix, alors voilà, je vous donne des exemples de gens qui font plein de ressources. La modélisation ludique, c'est l'espace studio, mais par exemple, ça, c'est une vraie jeune fille, c'est ce qu'on appelle le cosplay, qui s'habille en superwoman. Yeah. Et là, par exemple, c'est un cas, je suis très contente, de mes étudiantes de master qui ont créé ce site web d'éducation aux médias, qui maintenant est devenu mediaeducation.fr, et qui est le portail d'éducation aux médias en France, reconnu par le ministère de la Culture. Voilà. Donc, quand on s'engage, on arrive. Et l'important de ça, c'est que c'est deux petites personnes de rien du tout, et le résultat est un réseau énorme. Et ça, c'est l'augmentation numérique aussi, pour nos jeunes. Ils touchent un petit quelque chose, et tout d'un coup, ils sont dans le monde. Le parcours monde. Et ça donne des choses comme ça aussi, remarquez. L'engagement, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver à Wall Street, Occupy Wall Street, ou sur des places. Les biens relationnels sont réoccupés par le numérique. Les places, toutes ces révolutions. Alors, comment se former? Je vous en propose un MOOC pour l'éducation aux médias, celui que je fais. Un cours en ligne, où... Par exemple, on a répondu à une question, c'est toujours un petit peu la commande, où s'est posé la question de « Ouh là là, il y a les attentats, comment on répond demain quand on rentre à l'école avec nos gamins ?» Et où plusieurs collègues, dont je vous donne plusieurs exemples, parce que maintenant, elles aussi, elles sont devenues célèbres, Mme Farinella et puis Mme Eckal, où elles ont fait une feuille de route chez nous, où elles ont proposé leur projet, info ou intox sur le web, comment faire la différence, et elles ont formé des jeunes, alors ça, c'est des jeunes du primaire, voilà, les rumeurs doivent être aspirées. Bon, c'est des gamins de 6-7 ans. Voilà. Attention, on va tous mourir, mais non. C'est une soucoupe volante en carton. C'était pour le carnaval. C'est pour de faux. C'est pour de faux. Et donc, elle a créé les petits détectives du web. Voilà. Et pareil avec Patricia Eckal, qui a créé Citizen Twitter, où les enfants se tweetent sur tous les trucs vrais ou faux sur Charlie Hebdo, etc. etc. Donc les enseignants aussi peuvent s'augmenter et aussi se mettre à jour, et avec le numérique. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, Divina.